à tous les crémiers et les crémières. Aujourd'hui, exceptionnellement à lundi midi, hein, on n'est pas jeudi, je sais. Et on va jouer à Smash Bros. On va reprendre notre défi qu'on a laissé la dernière fois. Donc, petit rappel, la semaine dernière, on a gagné avec 6 personnages, je crois, dans l'ultime dernier. Là, on commence direct avec Roy, version bien kitsch, bien dorée comme il faut. J'espère que ça va le faire. J'ai sorti exceptionnellement pour vous cette semaine, mon retour de congé, le gong de la victoire qu'on fera résonner plusieurs fois, j'espère. Donc, comme je l'ai marqué dans le wording, c'est des personnages... Je ne joue absolument jamais, notamment Snake, des trucs comme ça et tout. Bon, on verra ce que ça va donner, ça va pas être fou, je vous le dis. Ça commence comme Ganondorf. Ça fait un moment que j'ai pas joué en plus sans vouloir me trouver d'excuses. D'habitude, je m'entraînais toutes les semaines et tout, là j'ai pas eu le temps. Bizarrement, j'étais en vacances, mais j'ai pas eu le temps de jouer. Chez moi, c'était travaux et travaux. Là, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Oh là, c'est-à-dire pas grand-chose, apparemment. Le gong de la victoire ne risque pas de résonner beaucoup aujourd'hui. Faudrait que j'apprenne déjà ce que peut faire Roy comme tout. Même pas en fait. Comme tous les personnages chiants de Fire Emblem. A pas l'air mauvais ce Ganondorf. Ok, je sais pas pourquoi j'ai pas pu sauter. Bon, je vais me prendre 3 vies d'avance dans la tronche. Ok. Quelle brutalité! Je me fais vraiment arracher, c'est abusé quoi. Le non-respect, franchement, si j'arrive même pas à lui envoyer. Ah, je crois que c'est... Voilà. Bon, ça commence très mal. Désolé. J'ai honte. J'essayais d'avoir vos commentaires. Ah, ça y est. Salut Thomas. Salut Brandon. Salut Shepper, Sydney, Dana. Super content de vous voir tous. Ah non, on va pas rematch, hein, parce que clairement, je me suis fait arracher. Ah ouais, Thomas, là, franchement, j'ai honte. 3 vies dans la tronche. Va falloir que je me concentre. Est-ce qu'on m'entend bien, là? J'ai changé de micro, là. J'espère que vous entendez bien. Logiquement, vous devez entendre mieux que... Je vais me concentrer là, ça va mieux se passer. Ah ouais, Ganon, quand c'est bien géré, c'est bien géré. Ah, merci Nancy, ça fait plaisir. Merci pour tes 50 étoiles en mode lot de consolation. Va falloir que j'en sois digne. Oh! Oh là là, ce que j'aime pas ce perso.
J'espère qu'il fasse une erreur à chaque fois, mais... Oh oui! Oh oui! Yes! Genre, j'ai fait mon compte là, c'est... Ah ouais, ok. Bon. C'est chaud, merci beaucoup Rémi pour tes 25 étoiles. Bon, ça lag là. C'est pas de ma faute si je perds, hein, celle-là. Mauvaise foi, bonjour. On va me saouler avec tes lasers, toi. Yeah, yes. Franchement, j'y croyais pas, celle-là. Ça lag sévère quand même. Non! Mais non! Mais non! Quel imbécile! C'est pas possible! Je savais que ça se passait trop bien, j'avais trop d'avance. Et il faut fallait que je foire. Ah puis ça lag, c'est horrible. Oh! Ah mais sérieux, ça me saoule. Allez, bats-le! Allez, viens ici. Reprise grenade. Oui! Oui! Victoire, première victoire. Et on fait retentir le coup. La victoire. Désolé pour ceux qui avaient des écouteurs. La prochaine fois, je le ferai retentir un peu moins fort. Je ne m'y attendais pas. Ah, je suis bien content d'avoir battu Roy. Enfin, d'avoir battu Roy. Plutôt d'avoir utilisé ce... Enfin, gagné avec ce perso. Je vais y arriver. Salut à tous. Salut Gaëtan. Salut Chloé. Les habitués qui vous présentent. On va assister à mes magnifiques victoires. On va dire ça comme ça. Hein. Allez, c'est parti pour un autre perso. J'utilise absolument jamais Chrome. Je sais pas, mais c'est une notoriété publique. Hein. Je déteste les personnages de Fire Emblem dans Smash Bros. Que ce soit les jouer ou jouer contre eux, c'est encore pire. Donc voilà quoi. Merci Thomas. Salut Véronique. Il y a encore un Joker qui va se prendre pour le meilleur joueur du monde. Le perso qui est le plus cheaté en ce moment dans Smash Bros. Ça y est, il fait le fou. Tiens, dans tes dents. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Faut pas m'énerver aujourd'hui. Oh! Ah, c'est bon ça. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ce petit coup? Oh, j'ai chaud de ouf. Je suis mort. J'ai pas tant d'avance que ça.
Je peux rien faire là. Oh là là, la lourdeur du type. Oh là là. Oh, il m'énerve. Mais sérieux, va. Bon, je te mords. Allez, comme ça t'es content. Salut Thierry. Carole. Bah forcément un joker hyper relou, hein, comme un peu tous les jokers. J'ai vraiment pas hâte d'y arriver quand ce sera à moi de gagner avec lui. Alors Chloé, ouais, effectivement, je vais faire d'autres lives cette semaine. Figure-toi que je tease, hein, mais cet après-midi, on reprend directement avec 3 heures de Cuphead. Ça va être énorme. Je vais essayer de finir le jeu, mais ça va pas être évident. La vitesse de Chrome. Ah ouais, bah ouais, Loïc, ouais, je vais essayer, mais comme c'est un personnage que je maîtrise pas. Oh joie, oh bonheur, encore un joker. Bah ça va être encore une partie intéressante celle-là. Tiens, dans tes dents. Je t'y attendais pas ça. Est-ce qu'on peut tomber s'il vous plaît quand t'es... joueurs normaux après. Et pas qu'on déchire comme ça de joker. Bah j'ai fait mon contre là, c'est cause des... J'allais dire elle va refaire la même erreur que tout à l'heure. Tiens, j'en ai marre. Franchement ça me saoule de jouer contre des gens pareils. Oh là. Ça recommence mal, c'est mal. Je vous le dis. Ah, il va recommencer. Oh. Allez, casse-toi.
Veux-tu mourir, s'il te plaît? Non, tu veux pas. Non. 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 Chloé, ouais, bah franchement, Cuphead, j'adore aussi comme jeu. Non mais franchement là, c'est bien, c'est que la semaine dernière, non, la semaine d'avant, Nintendo ils ont fait une mise à jour en mode ouais, le 1 vs 1 online ça va être mieux, tout ça, ça allait tomber contre des gens à peu près de votre niveau et tout. Ouais, c'est ce qu'on voit. Hein. Ouais, j'avoue, Chloé, 3 heures de Cuphead, ça va peut-être faire un petit peu beaucoup, je pense que je vais en avoir marre au bout d'un moment, mais bon, faut ce qu'il faut, hein. La concentration va être difficile à tenir, surtout après un live Smash Bros. C'est des jeux où il faut être vachement concentré. Cool, un personnage de Fire Emblem. Je crois qu'on va jouer que contre des personnages que je déteste aujourd'hui. Avec des personnages. C'est vraiment un des pires lives de reprise que je pouvais faire, mais... Je vais essayer de faire de mon mieux quand même. Oh! T'es à 111%, ne reviens pas. Oh, oh, je suis content de ce que j'ai fait là. Là, un peu moins. Oh, beaucoup moins. Mais. Mais sérieux, mec. Comment tu peux faire autant de la merde juste avant et là être bon? Sérieux? Incompréhensible ce joueur. Hein. Tu vas me dire, je suis peut-être un peu de même. C'est ça que tu veux faire. Mais j'ai fait mon contre! Allez là, allez, c'est mon moment, faut que je gagne. Oh la vache, c'est mal barré. Je me connais, c'est mal barré. On y croit. Allez, on y croit. Oui, victoire avec Chrome, gomme de la victoire. Ouh, salut Jean-Marie. Ah ouais, Léo, non, hier, il n'y avait pas de live. Il faut que tu comprennes que d'habitude... On est une équipe avec Alex, Shorty, moi. Donc on s'occupe de l'édition Snap Discover quotidienne de la chaîne. Moi j'écris des articles sur la rubrique jeux vidéo. Donc ça plus les lives, autant te dire que à assumer tout seul, ça fait un peu beaucoup. Donc il y avait effectivement pas de live. Ça y est. Allez, deux personnages en 20 minutes. Ça fait, ouais, un personnage qui est pas mal.
Bah si, Jean-Marie, comme tu dis, voilà, c'est pas... Je me sens un peu seul en ce moment, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Véronique qui dit on t'entend très mal, Maxime on n'entend rien à ce que tu dis. Bah pourtant, pourtant si, moi je vois que ça module. Mon micro coupe. Bah écoute, c'est bizarre. Bizarre, je comprends pas trop ce qui se passe. Désolé pour ça. Oh là là, je joue avec Monsieur Game & Watch, le perso que je joue absolument jamais de ma vie parce que c'est pas genre un perso normal ce truc. Ça lag en plus. Ah, il a pas l'air si mal ce perso idiot. Moi j'aurais la rage de perdre contre Game. Sébastien, ouais mon micro est sur le côté effectivement. Bah écoute, je vais essayer de régler ça juste après ce match. Pas Smash hein, après ce match. Je suis pas trop mal parti pour l'instant. Je gagne sur mon premier match avec Game. Non mais à un moment mec, fais autre chose que ton parapluie débile. S'il te plaît. Dit-il en faisant tout le temps des bombes. Ouais, mais moi j'ai le droit. Oh, oh sérieux mec, t'es chiant. En plus tu fais tout laguer avec ta connexion. Oui. Stop quoi. Attendez un petit peu juste après ce match, je vais régler et mes problèmes de micro et mes problèmes de marabout. Allez hop là, t'es content là avec ton parapluie hein. Comment j'ai manqué de ces occasions. Comme je sais que j'ai beaucoup d'avance, ça y est, je commence à faire nappe. De toute façon, je vais le gagner, c'est bon. Tellement prévisible ce type. Je l'ai pas touché là. Gagné. Bon de la victoire. Yes. Un personnage de plus. Voilà. Réglons les problèmes de micro. Je vais essayer de le placer bien comme il faut. Parce que comme ça, ça va aller mieux, je ne sais pas. On va voir ça. À vous de me dire. Allez, on va essayer comme ça. Hop. Et là, on va régler le problème de Marabout. Je le vois pas. Ah si, ça y est, il est là. Attendez, hein, j'arrive. Bah Chloé, mon travail sur la crème, je l'ai un peu expliqué juste avant.
Donc en fait, je gère la rubrique high-tech de Melty, la rubrique jeux vidéo de Melty. Je gère l'édition Snap Discover de la crème du gaming hein, sur Snapchat, forcément. En plus d'autres choses, de faire des lives aussi de temps en temps, comme vous pouvez le voir. Donc là, forcément, Shorty et Alex ne sont pas là, donc forcément, Shorty et Kelma... Oh, par contre, j'ai enlevé ça. Avant que ça ne commence, c'est mieux. Un Pikachu. Un Picalibré. Meta Knight, je jouais énormément sur Wii. Forcément, vu que c'était un des meilleurs personnages à l'époque. Par contre, maintenant, je joue plus du tout. Et ça se voit. Oh la vache, la catastrophe. Est-ce que ça va mieux là au niveau du micro? Ça va un peu mieux, ok, ça marche. Parce que moi, par contre... Oh, pas mal ça. Ah, il y a que deux vies, ok. Parce que moi, j'ai le micro là en plein devant l'écran, c'est pas idéal. Mais bon, tant que vous entendez mieux. Oh! Ah, oh, j'ai cru que j'avais gagné, là, je suis deg. Dommage. J'ai cru que j'allais me faire avoir comme ça. J'ai fait le cinglé. Pas mal ce petit Meta Knight finalement. Concentration. J'ai paralysé, mais là, si je meurs en fait. Ah bah ouais! Ah bah ouais, mais non, il n'y avait pas 3 vies. Là, je suis deg. En plus, il était nul ce Pikachu. Nul à Yesh. Franchement, naze. Alors, bon app à toi, Jean-Marie. Bon bah, on reprend avec Meta Knight de ce fait qu'on. Quelqu'un qui aura une race, espérons. Trente minutes de live, il faut encore faire retentir le gong de la victoire, là c'est pas possible. Ah, contre un S, mon dieu. Pas être facile. Ça sent le Ike Fire déjà direct. Ah bah ça c'est bête. Ah moi j'aurais tellement la rage. On l'a vu hein, que j'étais pas forcément le meilleur avec Ness la dernière fois. Le pire c'est que moi mon main, comme vous le savez peut-être les habitués, c'est King Karul qui n'arrive pas avant un moment dans le roster. Donc je suis pas prêt de le jouer quoi. Il faudra encore un bon paquet de live avant de pouvoir avoir la chance de jouer. Oups, oh l'erreur.
Ah, je suis chaud là. Oh, ça c'est abusé ça, j'ai fait mon coup d'épée. Non mais fais pas le malin mec, t'es nul. Tu vas vite être battu. Être battu, moi je te le dis. Ah, il me saoule avec ça. Pas ce que j'ai fait là, j'ai fait n'importe. Pas mal. Bon, j'avoue, ce NES est respectable. Je te remercie, joueur de NES, de ne pas faire tout le temps de stupide fire. Contrairement à tes homologues sur le online. Franchement, c'est respectable cette façon de jouer. Dangereux. Oh! Oh la vache, j'avais de l'avance. Bien joué. Par contre, fais pas le fou. Ah ouais, non. Ok, le mec se réveille clairement en fin de partie. D'habitude, les live Smash Bros, c'est le jeudi midi, effectivement, Olf. Et bon, là, je fais un petit peu ce que je veux au niveau de la progrès des lives, vu que tout le monde est en vacances, sauf moi. Oh mon dieu, encore un marabout. Allez, ça part en ban. Désolé, vous n'avez pas eu le temps de lire le magnifique commentaire de Marabout. Bon, bah, ça continue avec Meta Knight. Alors, un peu déçu des deux parties qui viennent de passer, honnêtement, parce que pour moi, c'est... Je me déconcentre parce que pour moi, c'est des victoires faciles et finalement, les mecs se réveillent en fin de partie. T'inquiète, Gillian, c'est... Gillian, je sais pas, désolé, mais c'est viré. Chloé, bah écoute, ma semaine de vacances, moi c'était la semaine qui vient de passer, donc bah, c'est la même. Ah non, c'est pas la même personne. Par contre, c'est le même skin. Et puis... Ah, lui par exemple, il joue pas de façon respectable. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Ah ouais, lui il va être chiant crevé. Oh mec! Rien pouvoir faire. Je suis contrit. Ah, bah rien pouvoir faire, peut-être pas finalement.
Ah, mais barre-toi! Désolé si je commence à m'énerver, hein, mais ça m'énerve. Voilà, explication Echo Plus, et là... Ah la vache. Chiant. Chiant. Perdre sur une shop, ça m'énerve encore plus. Alors Yann, ouais, si tu veux, tu peux... N'hésite pas à me donner des conseils. Je sais pas si j'arriverai forcément à les appliquer, mais tu peux toujours. Je prends avec plaisir. Je prends les conseils avec plaisir. Non, parce que là, ce que je prends en ce moment, là, sur les matchs, ça me fait pas plaisir. Il fait tellement peur Ganondorf, c'est que le moindre coup tu peux mourir. Veux-tu mourir? Quand même. Ça me paraît mal barré quand même. Bien. J'avais dit, le moindre coup, c'est la mort. Savoir pourquoi je touche pas une seule fois là. Parce que je suis nul.
fais rarement ce genre de choses, mais quand ça marche, ça marche. Oh oui! Oh oui, enfin une victoire! Oh oui! Oh mon dieu! Gong de la victoire! Oh yes! C'est pas trop tôt. Merci Thomas! Alors, qu'est-ce qui se dit? Salut Poupoulette, salut à toi. Alors Yann, je main Kim Karoul, qui est très 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 loin dans le roster. Tellement loin. Sébastien, je dirais même vieux motard que jamais. Désolé, j'avais pas le droit, mais je l'ai pris. Merci Cédric. Par contre, je vais virer ça. Hop. C'est pour voir un petit peu où on en est dans mon défi de un personnage une victoire online. Encore un Ganondorf ? C'est la journée ou quoi ? C'est avant qu'il fallait avoir cette arène quand j'avais mes Dynamite par contre. Par contre je me fais éclater là où c'est moi. Non je pense que je me fais éclater. Et Spike est rentré chez Buffy contre les vampires. Faut que j'arrête les blagues nulles, je suis désolé. Je me fais là. La tronche. J'adore ça. Dommage que ce ne soit pas sur une de mes victoires, mais que ça va être sur une puissante défaite. C'est ça qui est bien avec. Oh! Il voulait le placer à son. J'aurais pas 3 vies dans la tronche au moins. On va dire que c'est un match d'entraînement avec Pitin. Oh la vache! Oh il m'a défoncé! Ah Poupoulette, ça me fait plaisir que quelqu'un soit réceptif à mes blagues toutes pourries. Tu le campes, tu le forces à approcher, tu l'empêches de revenir. Ouais, bah je. Oui, faut que j'essaie. Je t'avouerai que, à part quand c'est avec Kirby où ça se passe plutôt bien, j'ai un peu de mal à faire. À jouer en aérienne, c'est-à-dire aller chercher les gens, tout ça, de leur terrain. Et faut que je me force. Ah oui, Yann, pardon, t'étais encore dans la discussion à propos de Little Mac, je pense. Ouais, Little Mac, à partir du moment où il est un petit peu en dehors du terrain, souvent c'est terminé pour lui. Par contre, si tu prends un petit peu de dégâts avec Little Mac, c'est fini. C'est... Ouais, Thomas, là, il m'a arraché le Ganondorf. On va dire que c'était un match d'entraînement avec Pete, parce que c'est un personnage que je ne joue absolument jamais, comme quasiment tous les personnages qui arrivent là dans le roster.
Par contre, si je perds contre quelqu'un qui s'appelle Todd Sasuke, je m'en voudrais à vie. Hein. Je préviens. Un kéké animé, oui, bah, je ne peux pas me permettre de perdre. Putain, j'ai des petites flèches. Rapide. Flèche. Qu'est-ce que tu penses de ça, Todd Sasuke? J'avais dit stay back. Oh là, oh là, oh là. Bon. Alors Sébastien, ouais effectivement je fais le live de cet après-midi. Ce sera sur 3 heures de Cuphead. J'espère pouvoir terminer le jeu. Oh non, qui va être extrêmement difficile vu qu'on est sur la troisième île et que là c'est le pire boss possible. Mais yes, ce sera moi cet après-midi aussi. De toute façon, Shorty est en congé, Kelma est en congé avec lui. Donc bah, cette semaine, ce ne sera que moi. Voilà. Ce sera pas forcément tous les jours parce que j'ai énormément de choses à faire à côté. Mais je vais essayer de faire du mieux que je peux pour faire un maximum de live. Oh là là, mais laisse-moi tranquille! Sérieusement, pas un seul pourcent là! Je vais jouer chiant parce que ça m'énerve. Faire ça, je savais même pas. Laisse-moi tranquille, Todd Sasuke, avec ton pseudo de kéké là. Salut Weeb. Oh là là, la silence. La poulette, ouais, mes congés, ça s'est plutôt bien passé. Mon meilleur ami est venu à la maison. Et puis le reste du temps, travaux, hein. Oh là là, mais meurs, sérieux, meurs, meurs. Oh, vas-y, tu sais quoi, allez. Franchement, j'en ai trop marre, tu me saoules, mec, tu me saoules. Je préfère encore ne pas perdre de temps et continuer, quoi. Oh là là, quelle horreur! Insupportable, hein. Bon, j'espère pouvoir finir au moins avec pour ce live. Parce que ce personnage me saoule. Qu'est-ce qu'il y a après Pete? Ah bah il y a Dark Pete. Merveilleux. Je suis pas prêt d'être tranquille, quoi. Après Samus sans armure c'est bien, Wario c'est bien, Snake c'est pas ouf à mon sens. Bon bah on verra. Re Gaëtan. Encore un Ganondorf? Ils se sont passés le mot les mecs. Aujourd'hui. Est-ce que je vais me faire défoncer comme tout à l'heure? J'en ai bien l'impression. Oh là. Je
Oh, j'ai une chance. Ah bah voilà. Mais vas-y, j'en ai marre là. Franchement, est-ce que vous voyez mon niveau de désespoir dans la façon où je joue? J'ai l'impression que ça se ressent beaucoup, non? Et sérieux, il aurait dû se le prendre de poing, de plein fouet, ça. J'arrive même plus à parler tellement. Je suis énervé. Ça promet pour Cuphead cet après-midi. Je m'en fous, je continue. Sérieux, le mec, il va jamais crever, quoi. Ah bah mince, je suis mort. Oh la vache, mais c'est une catastrophe ce perso, il est nul. Enfin, je suis nul avec, hein. Je sais pas le contraire, hein, mais il est nul. Ah ouais, non mais Sébastien, je me fais arracher, franchement. Et puis je sais pas, ils se sont tous donné le mot à tout jouer Ganondorf aujourd'hui. Ça y est, c'est le nouveau personnage à la mode après Joker ou... C'est quoi ce délire là? Franchement, si c'est encore un Ganondorf, je live. Je live instantanément. Ah Maxime, non mais là... Franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, un Link. Au moins, ça change un peu. Genre on va faire ça direct, voilà je l'avais dit, je vais faire un peu trop tôt. Genre je suis quasiment mort avec une attaque comme ça. Non mais non. Je vais l'imbécile. Oh là là, puis je vois rien avec ce micro là, c'est pas possible. Tout était contre moi là. Allez, salut! C'est bien, c'est qu'à chaque fois que je fais attaque, il envoie plus de projectiles. Forcément. Alors qu'il en envoie 10 000 juste avant. C'est bien ça. Voilà. Bien joué, Rob. Bien joué, ça. 0%. C'est bon. Tiens. Offre-toi son épée. Offre-toi. Je vous préviens, mon état mental commence à être très grave. Je pense qu'il ne veut pas.
va pas s'améliorer cet après-midi avec Cuphead, ça m'étonnerait beaucoup. Donc je pense que vous allez me retrouver cinglé cet après-midi. Je danse. Ah quand même. 115%, bah y a moyen de gagner là. Non, pas en forme du tout. Désolé, je vais reprendre vos commentaires après. Je jette un coup d'œil de temps en temps, mais effectivement là c'est un peu la catastrophe. Bien qu'on ait quand même gagné avec un ou deux personnages. C'est pas les 7 habituels. Hein. Tu fais ce coup-là une seule fois, je suis mort. Je vais faire vous prévenir. Gagne là, je suis un boss. Hein. Allez! Oh là là, ce coup random sorti de n'importe où, n'importe comment. Ouais, Chloé, un peu de méditation. Ouais, tu m'étonnes. Oh là là, c'est une catastrophe. Catastrophe. Allez, bah encore une partie avant la fin du live, mais là... Insupportable. Insupportable. Je sais pas comment je vais faire pour tenir cet après-midi sur 3 heures de Cuphead. Je pense que je vais devenir cinglé. Hein, c'est... Y a rien d'autre à dire là-dessus. Alors, combien de persos on a gagné pour l'instant cette semaine? 1, 2, 3, 4. 4. C'est pas merveilleux. Ah ouais, non, c'est là, je suis très soigneux de mon matériel, donc je n'ai jamais balancé une manette, mais là, j'avoue, je suis bien tenté. Ouais, encore un niveau. Allez. Évidemment. Je crois que l'univers en a marre de moi aujourd'hui. Eh, mec, t'es sérieux là? C'est quoi ce truc de merde? Oh là 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 là. Ça pue encore la défaite, ça, hein? Évidemment. Ah, pourquoi pas. Franchement, c'est pas genre sorti de nulle part. Franchement, j'ai envie de lâcher la manette. Genre vas-y quoi. T'insistes. Le mec en fait c'est limite il joue pas tout seul.
Oh bah mince, je suis mort. J'ai glissé. Salut Colin, bah écoute, ça ne va. Ça ne va pas très bien, comme tu peux le constater. Parce que je me suis fait arracher, littéralement arracher depuis tout à l'heure. Sans comprendre quoi que ce soit. Donc j'en ai un peu marre, je t'avouerai. Non, Thomas, c'est vraiment pas ma journée, non. Merci Sébastien, ça fait plaisir. Je pense en faire là une dernière avant de rage quit. Mais quand je dis rage quit, je pense que je n'ai jamais autant ragé à Smash Bros à tel point que je n'ai plus aucun espoir de gagner en fait. Genre. Alors qu'est-ce qu'il va me faire ce Yoshi? Il va me prendre comme un œuf et il me va chier dehors, non? Dehors du terrain. On va voir ça. Oh là là, c'est génial. Il a absolument aucune force, Pete. Abusé. Vraiment aucune force. C'est toutes ses attaques font des dommages risibles. Il a aucune force pour propulser les ennemis, c'est catastrophique. C'est affreux. Voilà, je l'avais dit qu'il allait me chier en dehors du terrain. Genre, j'ai fait une attaque smash post-délire. Allez, ça dégage. Gong de la victoire. Yes. En plus, je suis bien content parce que c'est les gens qui ne savent pas gagner normalement qui mettent 2 vies. C'est 3 vies. 3 vies. Ah yes, c'est pas trop tôt. Pas trop tôt. Merci à tous. Bon bah, attendez, j'affiche quand même le panneau parce que celle-là, je l'ai méritée. En plus, la semaine prochaine, ce sera... Enfin, non, je pense qu'on va refaire un live Smash Bros cette semaine, probablement à midi. Bah, ça commencera directement avec Pete Maléfique, ça va être catastrophique. Merci à tous. J'ai bien galéré hein, cette semaine. 1, 2, 3, 4, 5. Quand même éliminer 5 personnages, c'est pas trop mal.
Mais oh là là, c'était chaud de chaud. Bon bah très bien. On se retrouve cet après-midi de toute façon pour 3 heures de Cuphead. J'ai essayé de faire de la relaxation et de la méditation entre-temps parce que sinon je sens que je vais jeter tout mon matériel comme ça. Tous mes écrans et tout mon PC. Et donc bah ouais, voilà, on se retrouve cet après-midi. 3 heures de Cuphead. Allez, à tout à l'heure.